tête là gain 10 cornes. 10 cornes là qui veut dire qui ça 10 puissance qui parle il parle plus fort la donne il dit sous chaque cornio gain en couronne qui veut dire 10 rois au président cap sous puissance ça. Donc c'est pays royal y a bien. Yep. Et il dit gain 7 têtes encore qui veut dire 7 pays qui parle plus puissant dans royaume ça. Il dit gain une bête ça pour blessure mortelle qui parle autre que Rome. Parce que les Roms prennent le si mortel ça, parce que Rome fait partie de cette tête qui est plus puissant dans la bête là. Mm-hmm. Okay? Parce que dit qu'on a c'était un marché de l'Europe. Okay? C'était ça que le dire, qui était boosté, bien évidemment, Rome ça économiquement. Okay? Donc, les que Rome qui fait partie de cette tête là prend le si mortel là, et nous parlons étudier en littérature ça qui nous a pas avec la Renaissance. Veut dire que ça, Rome parle renaître parce qu'elle était morte. Parce que lorsqu'il dit la Renaissance, c'est la Renaissance d'Italie ou Rome. C'est ça que la Renaissance que nous utilisons dans la littérature. Lorsque que Rome prend renaissance et il est venu avec la Renaissance de Rome. Et puis, c'est là que nous parlons commencer. Ouais, ça a un rapport avec le CC6. Parce que Rome, en soi, c'est tête qui est plus puissant dans le royaume. On va parler de Rome actuellement là ou donc, de passé? Actuellement, ça pour vini? Là, on a parlé de ni sa passé, ni sa cap fait et ni sa cap vini. Okay. Parce que Rome, l'ila depuis, on est capable de dire, après, il y a Yahusha fin mouri, c'était lui-même qui t'a dominé d'abord. Okay? Mm-hmm. Donc, pendant qu'il t'a dominé, avant nous-mêmes, que donc Rome, tu es tombé. Et là, que Rome pour remonter, il vient avec la Renaissance. Tout ça, on n'a pas passé. Est-ce que la même? Donc, de la Renaissance, nous parlons commencer où ça a un rapport avec, par exemple, Apocalypse 13, il parlait de un nom. Il dit non, ça égale 666. C'est le marque de la bête. Yeah, il y a le nom, excusez-moi, il y a le nom de la bête, la marque de la bête et le nombre de son nom. Il y a des gens qui disent que, après une époque, si vous avez 666, vous pouvez acheter, vous avez une bonne barre qui a fait. C'est qui Jean ça a bien pour faire? Ok, alors, non, ça, c'est un bagage qui a dit qu'il peut faire. Pour qu'ils ont le parler de Marc, bibliquement, vu que Marc a plusieurs façons qu'il a interprété dans la Bible. Des fois, d'un côté, il mentionne Marc comme une doctrine. Est-ce la même? Et si nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 7, côté que le Créateur a voué quatre anges, et puis il dit, pourquoi faire mal ni à terre, ni à la mer? Tant nous finissons marqués. Petit créateur dans le fond. Mais la Bible parle tout, il dit Marc mette là dans le fond. C'est cela? Ça veut dire, l'un allé dans Deutéronome, il dit enseignement que m'ban nous, il dit Marc est dans le fond nous. Ça veut dire, mais mon bagage est quoi, il y a un Marc sur ou quand Marc est là ou pas qu'on est, par rapport de son quoi. Donc, vous parlez de doctrine, ça veut dire, un monde qui chita dans l'église là, il y a mis un. Il y a un doctrine directement depuis le faux ou il y a un vieux Marc sur. Parce que si tête là pas bon, reste yo pas bon. Pas bon. Mais par contre. Donc ça c'est ou même, ça est non compréhension pas, c'est ça. Non, c'est une compréhension biblique, Jean qui a dit là. C'est là avec moi. Mais ça qui vient arriver. Nous t'as parlé de bête apocalypse là. Et États-Unis, c'est descendant bête là. Ok? Comme on dit c'est descendant bête là, parce que c'est Europe et Rome qui bat naissance avec États-Unis. Parce que blanc ça yo qui est américain. Hein, c'est européen, c'est romain. Ou là, et qu'on y a là à cause que à l'autre bout, ils ont volé le terre dans main. Ils ont dit, ah, qui est-ce que tu avais dans tes azarettes là? Ils ont l'autre nom, mais c'est même mon yo. Ça veut dire, l'on parle de Rome, ou même toi aux États-Unis, pas c'est eux-mêmes là. Kabri Tomazo, même plus, même l'image. Tu as dit, Rome a bien pour l'en tête tout royaume là, ou tu as fait référence avec les États-Unis. Yeah, c'est toujours même mon yo. Okay? Donc, normalement, Rome, les que l'a monté, il parle pas nous ni image de la bête, mais que chrétien attend ni, il parle pas nous ni nom de la bête, et il parle pas nous système 666 là. Qui ça que l'on système 666? Bon, pendant que nous ça pas avec la gématrie ou la gématrisation. Qui ça qui ont gématrie, c'est une science pour calculer nom. Mais en réalité, tout chiffre c'est lettre, toute lettre c'est chiffre. Comment on peut prouver ça? Lettre pour là où dit le pas chiffre. Pas un problème, mais si on allait en Italie, lettre pour là c'est le chiffre. Par exemple, pour gain I, ou dit son lettre, ou bien voyelle, ou dit là. Mais pour eux, mais eux, c'est 1. Ça veut dire, chaque lettre pour A, c'est chiffre pour un autre. Chaque chiffre pour A, c'est lettre pour un autre. Donc, nous allons entrer dans la gématrisation, mais la gématrisation,
pour nous comprendre ça que le 666. Donc, on ne parle pas de l'image de la bête, je dis. Mais on parle de système 666 qui vient avec la Rome, la bête. Rome vient avec le christianisme, qui c'est la religion de la bête. Je vais mettre la bête là pour nous comprendre plus. C'est la religion de Rome. Parce que l'on dit Rome, l'on dit bête, c'est la Rome antique et renouvelée. États-Unis. Christianisme, c'est Zev Mounsayo. Ou du moins, c'est Zev bête là. Lè que Mounsayo pral paraître, il y a une image de la bête, je ne vais pas concentrer sur le nom, qui c'est César Borgia, qui aurait le Jésus-Christ. Que je n'ai pas besoin d'entrer dans ça. Donc, mais Jésus-Christ, ça pral égal directement le nom de la bête. Comment on peut dire ça? Nous pas joindre d'après la gématrisation, nous pas joindre d'après un docteur chrétien qui est John MacArthur, il dit que ce n'est pas 3, c'est ça qui est important, mais c'est en question de 6. Mais il répétait plusieurs fois pour montrer comment que les répéter plusieurs fois pour montrer puissance lui. Donc, nous pas joindre l'être que petit créateur bien que nous tout le monde connaît nous pas traduit dans quelle langue, pas vrai? Donc, lui c'était en hébreu. Bon, s'ils sont hébreux, il est impossible pour le reler Jésus. Et s'il reler Jésus, il faut me connaître comment le faire reler Jésus parce qu'il parle en français. Avant d'enterrer Jésus, il était reler monsieur Jésus. Bon. Bah oui, quoi reler Jésus parce que on dit latin. On veut que ça me dit en dit latin. C'est parce que bon, moi je connais ça très bien, ni espagnol ni français, c'est aussi dans latin. Et ça fait des fois ressembler, vous comprenez? Très bien. Donc Jésus, mais il va reler Jésus, bon pas tant romain. Comment faire reler Jésus? Et nous même qui reler Yahshua ou bien Yeshua. Bon, s'il reler Jésus, faut me connaître comment faire venir reler Jésus parce que son hébreu était. Donc non lui c'était Yahosha qui c'est d'après le langage phénicien ou bien ancien hébreu, hébreu nouveau judaïste dit Yahshua qui va déranger. Mais comme on dit nous traduit nous on peut comprendre et c'est là où on prend piège. Et puis me dit mais est-ce qu'on a dit Donald Trump pour moi en créole? Me dit m'ta espéré pour dire parce que on comprend. Il dit Donald Trump me dit non, ou t'as traduit pour moi. Me dit est-ce qu'on a dit Anthony Santos en créole parce que ou pas dominicain ou pas dit Anthony Santos en créole. Il dit Anthony Santos, il dit faut comprendre que non pays avec le monde va traduire. Il y a monde qui a essayé violer principe là. Mais bon traduit l'Anthony ça. Il y a monde qui a essayé violer principe là, comprendre non mais en réalité en principe non pas de traduit. Bon pas de traduit non et OK, si qu'il t'a violé pour n'a traduire, il pas connaître Jésus. Pour quelle raison? Yahosha en français, nous pas le coup pour ne pas propose. Yep, Yahosha en français veut dire il est sauveur. Bon si n'a violé principe pour traduire en grec, on pas dire Jésus, n'a dit sauter parce que c'est sauter. L'autre dit sauter en grec veut dire sauveur. Bon, si on t'a dit en latin tout, pas qu'à Jésus, parce que pour dire sauveur en latin, on dit salval. Ça veut dire, pas traduire non, plutôt remplacer, pas en principe théologique de transitération. Et Jésus pour l'égal 6. Parce que Rome c'est la bête, Rome pour l'égal Jésus pour l'égal 6. Comment? Pour moi, je dis chiffre Romeo qui c'est l'être pour nous. Nous gagnons Jésus. Nous gagnons Gématrien d'abord, nous, avant ça. Et Gématrien, d'après et langage romain, non, il y a égal 1. Pas vrai? S égale 0, parce que c'est pas gagné. U ou bien V égale 5. S égale 0. Donc, si U 1 est 0, U 5 est 0. Jésus égale combien? 6. Donc, Jésus, c'est le 6 de la bête ou homme. Et de Jésus, nous parlons de Jésus. Jésus a li parlement de un titan. Ok? Nous allons arriver après sur Jésus. Okay. Mais, avant que nous camper, nous avons réfléchir de ce que nous avons dit là. Il y a un monde qui a calculé bien, déjà fait ça, 6 plus 6 plus 6, pour l'égal 18. Pas vrai? Et de 8 plus 1 pour l'égal 9, c'est ça qui est la gématrisation. Donc, 9 c'est la gématrie de 6, 6, 6. Donc, ça fait que, pourquoi ça dit 9? Parce que la Bible parle de nombre d'hommes. 9, c'est le chiffre de l'homme. Si ça fait avec l'évolution de l'écriture, on va aller dans la tablette cimérienne. Yo, ou parler que l'homme fait moun ou bien garçon, c'est un ressenti neuf yo fait. L'homme fait femme, tant que c'est une pyramide yo fait. Bon, pour quelle raison? Yo garde pas si intime fille, de vous elle comme ça, ou gagne son fille. On peut en poser maintenant. Le moment arrivé pour nous prendre et dernier pause dans l'émission. Restez connectés pour reste et explication. Et Malaki Tabano, on a tourné après, été connecté.
Nous tournons après pause là. Merci parce que vous êtes connectés sur Chanel là. Pas oublier de suivre Espace du Savoir. Nous avons avec nous messager juif Malaki qui vient parler nous de si, c'est lui qui vient parler nous tout de Canaan et Israël. C'est vraiment une belle émission. Malaki, nous tournons, oui, mais je me rappelle que tu as parlé de Yeshua. Ou bien, comment dire? Yahusha. Yahusha, voilà. Faut m'habituer à moi, oui. Ou t'as parlé de lui, ou t'es gon un point, ou t'es prend la dernière explication, t'es supposé bailler. Donc, Yahusha, c'est vrai nom. Et qui pourra le sortir directement dans deux mots hébreux dans l'ancien paléoa. Ou du moins, dans l'ancien langue phénicien. Qui c'est? Non créateur plus un mot en hébreu qui c'est Yasha, français qui veut dire sauveur. Non petit créateur, c'est non créateur qui c'est Yahawa, plus Yasha, qui parle banou, Yaha, Washa ou bien Yahosha. Donc, pour mon judaïs, je dis Yashua, et font abréviation Yeshua. Donc, Yahosha, c'est vrai nom que Romain yo changé en Yesus. Que nous sommes Jésus là, c'est 6. Parce que, fon prudent, tout ça ou en nous, ou disons tout ça bête là ban nous, fon prudent avec vous. Il n'est pas un hasard, ni il n'est pas comme si. Bon raison, bon raison d'être. Il y a un accomplissement qui a accompli. Parce que, écriture, l'antique étant dit, bête là paraît et Rome c'est la bête. Pour que ça tout ça bête là ban nous, nous pouvons y prendre. Bête là ban nous esclavage. Parce que là, c'est bête là ban nous religion. C'est bête là pour dire nous tout comme un petit créateur. Il y a un esclavage, on parle de Kounia ou... Il y a Kounia, ok. Parce que si nous regardons le code noir et l'article premier, côté que M. Catholique a écrit, il dit, on nous tient tout juif qui n'a gilé. Et malgré ça, aucun dit, il y a même Zaklé, il dit, même c'est ennemi juif, il dit, c'est chrétien. Et l'article 6, il dit comme ça, on quitte les protestants au libre, l'article 6, code noir. Il dit, on quitte les protestants au libre avec esclaves, il a acheté. Il était le jésuite, qui veut dire partisan de Jésus ou partisan de la maître. Jusqu'à présent, on joue des pères jésuites. Yes. Haïti, yeah. Là. L'ordre de jésuites, c'est partisan de Jésus. Qui Jésus? Jésus, la Rome. Rome qui ça? La bête. Donc, c'est Rome ou bien c'est bête là qui bat nous esclavage. Et c'est là où on parle de Jésus là que nous sommes trouvés à l'heure qui c'est 6. Jésus, 1. IA, c'est 1. S là, 0. UA, 5. S là, 0. Donc, Jésus égale 6. Le 6 de la bête. Okay. Et de Jésus, nous parlons de Jésus. Mais nous te disons pareil. Et nous arrivons à la fin. Nous sommes capables de dire système ça. Ok? Ah bon? Nous arrivons à la fin. Pourquoi nous arrivons à la fin? Parce que de Rome jusqu'à aujourd'hui, nous sommes réels bêtes là, ou nous sommes réels christianistes là. Réels qui l'a fini, comme nous disons en fin. Donc, nous ne pouvons pas certifier exactement le second de leur jour. Mais nous connaissons un moment, avec une période là. Est-ce que avec moi? Parce que d'après 2 Esdras 9, précepte 6, 2 Esdras, pas bien ça dans le livre chrétien, il y a un sens à l'Esdras, il dit, la fin du monde, c'est la fin d'Esaou. Et Jacob est celui qui suit. L'on dit, Esaou, c'est côté premièrement peuple blanc sorti. C'est le premier côté blanc commence à partir dans Esaou. L'elle dit, la fin du monde, c'est la fin d'Esaou. Et Jacob est celui qui suit. Ça veut dire, suprématie blanc arrivé pour le fini. Pour peuple noir régner à travers Israël qui c'est noyau peuple noir. Il y a plusieurs peuples noirs mais Israël c'est noyau. Ça la Bible prophétise Israël pour la grande puissance éternelle parce que les suprématies si cela fini, les suprématies bête là a fini cap diriger à travers les blancs. C'est pour tout pas noyau et c'est pour un royaume éternel. Mais là, on parle de Israël, on parle de Israël, nous connaissons. On a parlé de Israël, on a parlé de Israël qui dispersé. Haïtien, noir dominicain, noir américain, martiniquain, jamaïcain, congolais, bantou, c'est mon sort vrai juif là même biologiquement. OK. Donc c'est pas le tout pas nous parce que l'est arrivé pour que puissance bête la fini. L'est arrivé pour religion bête la fini c'est christianisme et l'est arrivé pour non bête la sauter par mes peuples noirs ça non bête la n'est autre que Jésus on va calculer le bout et c'est dans nous ça y a acheté nous en Afrique et ça fait dans Apocalypse 13 dit que monde qui destiné pour l'esclavage pour aller et acheter en Afrique dans le nom de Jésus qui sorti dans Jésus ou le 6 de la bête
Donc, nous parlons de 10, nous dit que 6, 6, 6, 3 fois 6, 3, 6 plus 6 plus 6, 18. 8 plus 1 égale 9. Donc, 9, c'est la géométrie de 6, 6, 6. Et 9, c'est le nombre d'hommes. Donc, l'homme va prendre 9. On est capable de dire qui c'est. Premièrement, on est capable de dire yon fin. Comme on a dit ça, yon maïk me dit, yon terminaison en soi. Parce que l'homme compte même dans la conception géométrie. À chaque fois, on arrive dans un chiffre. Début, il y a 9. 3, 9, ou mettre qu'on est que partie ça fini ou pas le point en bas. Par exemple, si on a 1999, ou mettre 3 ou pas le jeune 2. Si on a 3900, ou pas le jeune 4. Ça veut dire 9 là même, c'est fin cycle là fini. Donc, 6, 6, 6, 6, non, j'ai maté à ce 9. Donc, Ray Jésus a pas le fini pour Yahou, chaque ces petits créateurs régnés. Nous allons prendre 9 là, qui c'est le chiffre d'homme, nous prenons plus li. Et multiplier par l'aide de Jésus, il va égal 666. Bon, 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 bagay. On parle de fin bête là, yep. Qui pas loin arrivé. Yes. Et nous exactement, on a parlé là de les États-Unis. Les États-Unis. Qui gros puissance, yep. et monde là. Et on te parlé tout à l'heure de 10 royaumes. Chaque un royaume ça, chaque pays ça, chaque bête ça yo, y a un courant sur terre. D'accord, nous étions en Europe là. Donc, nous en Europe. Yep. Et on te dit qu'il y a 7 lots. Cette lot là, c'est 7 sacs qui parlent plus puissant et c'est eux-mêmes qui sont responsables de la spiritualité bête là. Ok. Rome, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez 10 saillots qui déjà en roi a quitté 7 saillots passés? Ils ne peuvent pas passer parce que. Et ça parle de système de bataille dans le monde là. Ok. Parce que l'on a bien l'apocalypse, le fait qu'on ait un connu pour monter, pour la guerre à terre. Tout ça qu'a fait, chaque jour, on connaît pour monter, chaque jour, on apparaît. Bataille. Donc, ça va parler de un couleuvre, sept, un serpent ou un couleuvre, yon sept bet, têtes. Yon bête. On bête. Yep. On bête sept têtes, même si on crée des couleuvres, là, qui fait répéter, par exemple, pour faire ça. Vous comprenez? Yon répéter li et puis yon dit sept têtes. Ça veut dire, c'est un guerre entre yon qui pral répéter, entre puissance. 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 Yes. Puissance. Mais, excusez, ça arrive bien parler de bataille et Armageddon et Gog Magog. Bataille Armageddon et Gog Magog, qui c'est pour la guerre mondiale qui gagne. Depuis la guerre mondiale, ça a fini. Tout le monde, et Reza a fini. Ray Blanc a fini. Deux pays, ça, Gog Magog. Gog Magog, c'est pour la bataille, comme on dit en Haïti, oui, et civil. À côté, le monde parle avec le monde. Mais le moment pour le fait, c'est que Yahusha pour le vendre, délivrer le peuple là. Parce que Blanc pour le varier sur le peuple noir pour la communauté qui a fini avec elle. Qui a commencé. Ok? Et ça parle susciter Armageddon. Et après Gog Magog. Mais que la Russie, parce que l'on a dit selon la Bible, la Russie c'est Gog Magog. Armageddon c'est blanc. Yep. Qui pourra lever contre peuple créateur. Et là, Yahusha pourra le paraître pour venir combattre peuple ça. Mais okay. Il y a un pile noir qui est en mourir. Oui, il a toujours gagné ça. Ben 200, après ton petit minorité, 18, oui. C'est ça, papa, que tu as dit. Ok, il a toujours gagné ça. Mais sauf que nous connaissons nos grandes espérances. Que c'est une dernière réincarnation qui est pour faire. Ok? On dirait dernière incarnation, c'est que il y a des esprits théaliques pour aller tourner dans un nouvel corps. Ça, c'est quand on dit résurrection. Parce que quand on dit résurrection, c'est une réincarnation finale. Ok? Donc, Jésus a égal 666. Pour quelle raison l'égal 666? C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un nom, peut-être créateur, il a une vie parfaite. C'est cela. Les Romains, il a dit gouvernement gréco-romain, il y a un Jésus, il y a un 6. Et là, on va continuer toujours par le 6, 6, 6. On allait. Nous avons dit que 6 plus 6 plus 6, 18. 8 plus 1, 9. 9, qui c'est le chiffre de l'homme. Fin cycle homme, fin cycle bête là. Nous allons multiplier 9 par l'aide de Jésus. Et là, nous faisons plus de pour nous remettre là-bas. Comment? Pour les gens qui connaissent l'être là, ça, l'alphabet français, fait ça. Nous avons 26, c'est pas vrai? J, c'est 10e lettre. L'ordre dit 10 fois 9. 90. 90. E, cinquième lettre. 5 fois 9. 45. Là, on va faire numérologie. Yep. 45. S, 19e lettre. 19 fois 9. 171. U, 21e lettre. 21 fois 9. 189. S, encore. 19e lettre. 19 fois 9. 171. Ça veut dire que nous avons 2S ou bien 271. Donc, nous avons 90 qui c'est pour J, 45 pour E,
171. Pour S, 189. Pour U, et 171 encore pour S. Plus tout ça, là, 6, 6, 6. Exactement. Nous faisons calcul là et puis écrivons nos commentaires pour moi, s'il vous plaît. OK? Exactement, la barre 6, 6, 6. Parce que Jésus, c'est le nom de la bête. Ou du moins, non sorti à Rome. Parce que c'est Romain qui dit au translittéré nos petits créateurs. Mais chrétiens ont dit au traduit pour eux. Mais si tu as traduit, tu n'as ni Jésus ni Jésus. Ma voisine encore, traduit, non, c'est Dieu, ça veut dire. Donc, non, veut dire, il est sauveur, il y a Yahusha ou Yahshua. En latin, pour dire sauveur, on dit sauter. Et en grec, pour dire sauveur, on dit sauter. En latin, on dit salval. En créole, on dit chaper. Donc, si tu as traduit pour ne pas ni Jésus, tu as chaper. C'est traduit. Okay. Si tu as vu le principe là, oui. Mais comme il va traduire, non, bon, on n'a pas besoin de faire ça, on a originalement, même si on a besoin de la chambre originalement. Il y a un commentaire moins télé, il y a un monde qui te dit que, est-ce que, il te dit, nous, c'est petit, nous, pas petit juif, non? Yep. Nous, c'est petit Canaan. Yes. Quand il y a même tout pose aux questions, nous, c'est petit juif ou Canaan? Nous, c'est petit juif. Et c'est Timon Canaan qui vend nous avec les nations. Ça que nous dit depuis que nous avons été trahis. Donc, depuis en Afrique, on peut nous avoir un peuple noir avec un groupe blanc. Et peuple noir, ça va nous avoir même nation avec nous, parce qu'il y a plusieurs peuples noirs. Ok? Comme nous avons déjà dans Joël chapitre 3, il dit Sidon vend Israël avec l'autre nation. Sidon, c'est petit Canaan. Ça veut dire que c'est Canaan qui vend Israël. Nous-mêmes, ce n'est pas nous. Lors, si on dit que c'est Canaan, ou dit que c'est nous qui vend Israël. Mais non, nous ne pouvons pas vendre Israël. Mais c'est nous qui vend. C'est nous qui t'acheter. C'est la même. Et la Bible n'a pas dit Canaan pour l'esclave le monde. Non, la Bible dit Canaan est pour l'esclave Sem. Sem non, on te dit qui paye il y a. Yeah. Sem non, Israël est sous Sem. Et Canaan est venu servir Israël en homme de temps. Et les Israël est venu pécher, c'est Canaan qui vend Israël. Mais Israël n'a pas acheté Canaan. Il était pris en terre seulement, mais c'est Canaan qui vend Israël. Zacharie 11, précepte 5. Ok, ou qu'on est le acoute, vous comprenez? Mais Gombara est toujours abdi sur Internet, là, puisque nous avons un messager, je n'ai besoin de citer non li, qui remet dit non ça. Et nous avons toujours abdi qui ça nous veut dire, ou même dit c'est diable, vous prenez un pile parole à parler, c'est papaya. Ça, je veux dans l'espace du savoir, comme moi, tout là comme messager juif, et ou même avec nous, presque, travail nous différent, mais qui pas gen, nous, chacun fait travail par nous, mais pas gen trop gros différence, ok? Papaya, li vle di ki sa, li sorti na ki sa, parce que moi même pour moi, m'te wè, ya, c'est Yahweh, que m'tande en pile, et qui pas mentionné tout dans la Bible, m'vle plus explication sur ça. Belle question. Te gen un savant, dradib, d'après l'histoire de l'église, y'a te gen l'émission érudit, tout ça. Monsieur, si nous avons un français, nous avons l'éternel. Le chrétien dit, non, c'est l'éternel. Mais non. L'éternel, par le nom, c'est le temps. Éternel. C'est par le nom, c'est le temps. Et c'est Pierre Olivier Tan qui retire le nom qui mettait l'éternel dans la Bible. Et puis, christianisme, ou des protestants, retire le nom créateur de Yahweh. Témoin de Jéhovah retire nos créateurs de Jéhovah. Donc chaque monde a pris la parole. Et donc, si beaucoup de monde met ensemble, ils mettent chaque opération dans la façon de parler. Témoin catholique même dit Yahvé. Traduction, et puis, ils ont nos seigneurs dans la Bible. Ils ont fait un abdi, non. L'autre, c'est un démon. Parce qu'en hébreu, pour dire Seigneur, abdi Baal. C'est le Baal là. Seigneur. Seigneur français en hébreu, c'est Baal. Ok, ça va faire nous. Ah bon. Donc, le nom du créateur, c'est Yah. Et Yah, ça a pour le sortir dans le verbe hébreu qui c'est Haya. L'on a parlé de non Haïti. Haya qui c'est le verbe être en hébreu. Nous avons un tétagramme qui c'est Yadaha. Wawaha, hébreu nouveau, Yad e Vavke. Qui pour le bail pour les gens qui disent Yad e Vavke, Yahvé, mais en soi, c'est Yaha Houha. Yaha Houha. Abréviation pour le Yah, et ça, le chrétien dit Alléluia. Qui ça? Bad bravo pour Yah. Les Congolais qui ont servi Yah, ils ont dit Yah Kenge. Parce que créateur, c'est Yah. Donc, Papa Yah, c'est pour le monde, j'en peux pas penser là. Tout
tout simplement il y a que dans la Bible là c'est qu'on a dû retirer quand elle était écrit ce qu'on est c'est Seigneur qui démon d'après où il y a Seigneur c'est le plus gros démon parce que non et pour dit dans Jérémie 13 23 si je m'abuse pas il dit il pense à faire oublier mon nom pour Baal. Baal en français Seigneur ça veut dire il y a pour faire peuple oublier non créateur pour dire Seigneur donc non Dradi, il est dans la Bible, il est dans la Bible, mais il est retiré. Côté que Léo a prié, il dit comme ça, Abba Père. Vous entendez le mot ça, oui? Pour que tu dis Abba Père. Vous entendez Abba, mais pas contre des pierres. Ok, pour moi, je dis le Bible, je vais te dire ça. Ok? Abba Père. Côté qu'il y a pour dire, nous, par exemple, nous avons crié Abba Père. Chrétien, on a dit Abba Satan. Je ne vais pas dire Abba Satan. Satan, papa, je ne vais pas dire Abba Satan. Lorsque Abba veut dire qui ça? Papa. Abba son mot araméen et de l'hébreu qui veut dire papa ou bien responsable. Tout le jour, on a dit Abba Satan et papa n'a pas dit. Oui, on a dit papa, 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 Satan. Comprenez? Donc, on a dit en bas Satan. On a dit en Abba Satan. Et on ne peut pas dire Abba président. Il y a avant. En l'envoyé. Ok. Wow. Dans la Bible, c'était Abaya. Abaya. Qui veut dire en français papaya. A dit, là, on a dit. Papaya, c'est le tab dit le même. Dans le vrai sens du terme, il a dit Abaya. Donc, Abba, ça vient écrit A-B-B-A. Ah, yep. Ok. Ok. Ça veut dire que Papaya pour un démon, mais plutôt c'est le nom du Créateur. Même Jean-Chrétien dit Alléluia.